Le roi Charles III, accompagné de la reine Camilla, entame ce jeudi 21 septembre sa pour la reine et la première dame d'improviser une partie de ping-pong, entourée de plusieurs enfants, au beau milieu d'un ring de boxe. De son côté, le roi a retrouvé Dan Bigard, joueur du pays de Galles, équipe sous le haut patronage de son fils, le prince William. Le trio a ensuite bravé la pluie pour gagner l'esplanade de la mairie de Saint-Denis, pour une rencontre avec des représentants du Paris Saint-Germain. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a remis au souverain un maillot du PSG estampillé de son prénom, Charles, et du chiffre 3. Un t-shirt signé par les joueurs. Comme l'a indiqué le compte Instagram de l'équipe parisienne, la discussion a permis de présenter au roi les initiatives innovantes de la Fondation Paris Saint-Germain en matière d'inclusion par le sport. L'international français et défenseur de l'équipe du PSG, Presnel Kimpembe, était également présent pour cette rencontre. Les visites s'enchaînent. Le fils de la reine Elisabeth II s'est ensuite dirigé vers le 19e arrondissement. Accompagné de son épouse et de Brigitte Macron, tous trois ont visité les ateliers 19M, lieu de création regroupant des maisons d'art œuvrant pour la griffe Chanel. La prochaine étape pour le couple se trouvera être le marché aux fleurs de l'île de la Cité, avant une visite de Notre-Dame avec le président Emmanuel Macron.